Yo tout le monde et bienvenue dans BET Breaks. On se retrouve du lundi au vendredi pour parler de tout ce qui compte. Du lifestyle, du gossip, du ciné ou du sport. Mais aujourd'hui, on va parler de musique. Et on s'intéresse plus précisément à la belle Aya Nakamura. Bon, si je vous dis 300 000, vous pensez à quoi? Ouais, je sais, c'est la somme que tu kifferais avoir sur ton compte en banque là maintenant tout de suite. Mais non, ça va pas se faire. Trouve un job, arrête tout ça. Mais en tout cas, 300 000, c'est le nombre d'albums vendus par Aya Nakamura. 300 000! Tu sais ce que c'est 300 000, toi? Avec des hits comme Copine, Jaja, Sucette, elle est clairement dans sa meilleure année. Et on peut le dire, n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de le dire, c'est une des artistes françaises qui pèse le plus actuellement. Mais clairement, si ce n'est la meilleure. Par contre, moi, j'aimerais bien savoir si du coup, elle en coupe ou pas avec Niska. Hein, monsieur Charo? Non, parce que 300 000 ventes pour Aya, 500 000 pour Niska, yeah! S'ils sont en couple, en fait, ça fait un couple en diamant. Diamant? Wouh! Ok, t'as pas capté, c'est pas grave. En tout cas, Aya, Niska, couple ou pas couple? Ouais, je sais pas. Et vous, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à en parler avec le hashtag BET Breaks. En attendant, moi, je m'en vais. Je vais écouter un peu du... Oh, tcha tcha, y'a pas moyen, tcha tcha. J'suis pas ta cata, tcha tcha, genre. En tcha tcha, la baby, tu dettes ça. Oh, tcha tcha, wouh, y'a pas moyen, tcha tcha.